Bonjour, nous revoilà pour cette première partie de la série « Manger selon nos besoins naturels avec le régime paléolithique ». Dans cette vidéo, je vous présenterai tous les bienfaits du régime paléo en m'appuyant sur plusieurs publications scientifiques. Bénéfices du régime paléo. La perte de poids et de tour de taille. Quand bien même ce n'est pas l'objectif principal du régime paléo, plusieurs études ont démontré qu'il permettait de perdre du poids et du tour de taille. L'équipe de Mølberg ont comparé pendant 2 ans l'impact d'une alimentation suivant les recommandations nordiques de nutrition et du régime paléolithique. Au bout de 6 mois, les individus du groupe paléo ont perdu 6,5 kg, tandis que ceux de l'autre groupe, seulement 2,6 kg. Une perte également plus importante au bout de 2 ans. En plus de cela, le tour de taille des individus du groupe paléo ont diminué 2 fois plus que l'autre groupe. On trouve ces résultats dès les premières semaines d'alimentation paléo, comme le montre Osterdahl. Moins 2,3 kg et moins 0,5 cm de tour de taille en seulement 3 semaines. L'une des principales raisons de la perte de poids lors du régime paléo est la baisse de calories consommées, moins 36% dans cette étude. Si les sujets mangent moins en suivant le régime paléo, c'est notamment parce que les aliments du régime induisent des calories plus rassasiantes. Comme il est décrit dans la publication de Johnson, la sensation de satiété est plus importante qu'avec d'autres types d'aliments et dure plus longtemps. En comparant avec un régime méditerranéen, par exemple, la sensation de satiété est plus élevée avec moins de calories consommées. Dans une autre étude de Johnson, les individus du groupe paléo consommaient en moyenne 5,8 mégajoules par jour, et leur taux de leptine, qui est l'hormone de satiété, était de 31%, alors que ceux du groupe méditerranéen consommaient 7,6 mégajoules par jour, pour un taux de leptine à 18%. Ces résultats s'expliquent par la composition de l'alimentation paléo, riche en protéines et faible en glucides. Une combinaison qui réduit la sensation de faim et donc la consommation de calories. Glycémie, pression artérielle et insuline. Une analyse de 4 études de Mannheimer a comparé le régime paléo avec d'autres modes d'alimentation. Les résultats ont été chaque fois meilleurs lors du régime paléo, notamment en ce qui concerne la pression artérielle systolique, la pression artérielle diastolique et le taux de glycémie à jeun. Une étude de Lindenberg a comparé le régime paléolithique avec une sorte de régime méditerranéen. Les chercheurs ont d'abord mesuré l'air incrémenté sous la courbe, qui calcule la réponse glycémique dans les 2 heures qui suivent la consommation d'une portion de glucides. Il est largement préférable de voir cette donnée baisser qu'augmenter. Avec le régime paléo, on trouve une baisse de 26% contre 7% pour l'autre groupe. Ces changements peuvent avoir lieu dès le début du régime, et même chez des sujets sains, comme le montre Fraceto. En seulement 10 jours, les auteurs ont relevé des baisses significatives de la pression artérielle, l'insuline plasmatique, la sensibilité et sécrétion d'insuline, le cholestérol total, la densité lipoprotéine et triglycérides, ainsi qu'une amélioration de la distensibilité artérielle. Syndrome métabolique et santé cardiovasculaire. Le syndrome métabolique n'est pas une maladie en soi, mais un ensemble de conditions physiques négatives qui créent chez l'individu un haut risque de développer des maladies cardiovasculaires, diabète ou AVC entre autres. On parle de syndrome métabolique lorsque l'individu a au moins 3 des problèmes suivants. Tour de taille supérieur à 101 cm chez l'homme ou 89 cm chez la femme, taux de triglycérides supérieur ou égal à 150 mg par décilitre de sang, HDL cholestérol inférieur à 40 mg par décilitre chez l'homme ou 50 mg par décilitre chez la femme, pression artérielle systolique supérieure à 130 mm de mercure ou pression artérielle diastolique supérieure à 85 mm de mercure, glycémie à jeun supérieure à 100 mg par décilitre. Comme nous l'avons vu dans l'analyse de Mannheimer, les 2 derniers points de la liste se trouvent améliorés avec un régime paléo, mais également en ce qui concerne la réduction de tour de taille et l'amélioration du cholestérol HDL. Même dans celle de Mølberg où on observe une baisse du taux de triglycérides, que ce soit à 6 ou 24 mois de régime. Des améliorations confirmées par l'étude de Pastor qui trouve des résultats similaires, où indépendamment de la perte de poids, le régime paléolithique réduit de manière significative les 2 cholestérols. En particulier LDL, le mauvais cholestérol, et les triglycérides, et améliore le taux de cholestérol HDL, le bon cholestérol. Cet ensemble de données indique que le régime paléolithique agit bénéfiquement sur toutes les mesures du syndrome métabolique. Ainsi, il permet de diminuer très largement les risques de maladies cardiovasculaires, principale conséquence du syndrome métabolique. Le diabète. Le diabète est une maladie qui résulte de problèmes de production, diabète 1, ou de gestion, diabète 2, de l'insuline par le corps. Ces défauts conduisent à une concentration accrue de glucose dans le sang. Alors que le diabète de type 1 est principalement une prédisposition génétique, le diabète de type 2 est surtout lié au mode de vie.
Les facteurs de risque sont surtout le surpoids et l'obésité abdominale, la sédentarité, l'hypertension artérielle ou les anomalies de taux de graisse dans le sang. Comme nous avons pu le voir avec les études précédentes, le régime paléo diminue les facteurs de risque du diabète de type 2. Une fois que la personne est reconnue comme diabétique 2, plusieurs éléments aggravent la maladie. Augmentation du taux de glucose, de l'hémoglobine glyquée et de triglycérides dans le sang, sensibilité à l'insuline accrue, prise de poids, etc. Le régime paléolithique peut être aussi un important allié pour freiner la maladie chez les personnes atteintes. C'est ce que confirme l'étude de Johnson, comparant le régime avec un mode d'alimentation spécialement destiné aux diabétiques. Les sujets diabétiques depuis en moyenne 9 ans ont vu leurs données de santé améliorées. HbA1c, triglycérides, pression artérielle diastolique, poids, cholestérol HDL, tour de taille, et ce, davantage avec le régime paléo que le spécial diabétique, en seulement 3 mois. Des résultats tout à fait similaires ont été trouvés par Mashrani. L'acné. On pense généralement que l'acné est un problème de peau qui apparaît de manière tout à fait normale et automatique à l'adolescence, et qui parfois persiste à l'âge adulte. Or, une étude ethnographique de Cordin démontre que l'acné est davantage dépendante de nos modes de vie, plutôt qu'une fatalité universelle. Dans les populations occidentales, 79% à 95% des adolescents et jeunes adultes en dessous de 25 ans sont atteints d'acné vulgaire, et même au-delà, 40% à 54% des adultes ont un certain degré d'acné facial. Les chercheurs se sont intéressés à deux populations de chasseurs-cueilleurs, les habitants de Kitawa en Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Achés du Paraguay. Les résultats dans ces deux sociétés non occidentales sont absolument stupéfiants. Sur 315 sujets entre 15 et 25 ans observés sur plusieurs années, ils n'ont trouvé aucun cas d'acné vulgaire. Ces données impressionnantes sont certainement dues avant tout aux différences d'alimentation entre le régime occidental et celui des populations de chasseurs-cueilleurs étudiées. Ailemi et son équipe ont par exemple montré que la consommation de 3 verres de lait au plus par semaine s'est associée à de l'acné sévère à modéré, de même que le chocolat ou les chips. Des aliments qui ne font pas partie d'un régime de chasseurs-cueilleurs. On suspecte aussi la résistance à l'insuline comme ayant un impact sur le développement de l'acné chez le jeune adulte. Une donnée qui s'améliore lors d'un régime paléolithique comme vous pouvez le voir dans cette étude. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo informative. N'hésitez pas à visiter mon blog pour accéder à toutes les publications scientifiques mentionnées dans cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.